Bonjour à tous. À tous et à toutes, à tout le monde, aux enfants qui rentrent à l'école aujourd'hui. Regardez, pour vous dire que nous on est une famille au taquet. Allez, allume-toi. Il est 7h33 exactement, je sais pas, allez. 7h33, vous pouvez le distinguer. Tout le monde est habillé, tout le monde est prêt, tout le monde est au taquet. Moi c'est normal, je me suis levée à 6h30 parce que j'ai embauché à 8h, c'est normal. Tu t'es levée à 7h comme tout le monde, hein. Tu t'es réveillée à 6h30. Non, 6h, ça. Non, je suis réveillée à 5h30. Ah, quand même. Nous, on est réveillés depuis 6h. Enfin, bref, donc la grande... Là. Là. Elle rentre dans même pas une demi-heure. Donc, ma femme est en train de finir de se préparer. Maman, je crois qu'elle t'a dit d'arrêter de monter debout sur le canapé, je crois. Voilà. Enfin, bref. Donc, on fait la rentrée scolaire aujourd'hui de tout le monde. Donc là, on va emmener Yaël pour sa sixième, et après on emmène les deux autres, donc CP et maternelle. Quoi, maternelle? Bah si, il rentre en maternelle, Adam. Mais là, il rentre en maternelle? Non. Il rentre en quoi? CED. CED. Moi, je rentre en CED. Bon, allez, donc c'est parti pour la rentrée. C'est pour du pleur de Corinne, tout ça, tout ça. Elle m'entend pas? Je vais la refaire. C'est parti pour du pleur de Corinne. Ou pas. Non, elle a dit ou pas. Allez, donc c'est parti. C'est des larmes de yeux là. Et toi, t'as des larmes de yeux? Non. Non, non, c'est bon, elle a retrouvé Emma, donc ça va. Manu, Emma. Maman, elle a des larmes de yeux. Non, si. Non. Je vais finir ma nuit. Mais pas à dire au revoir, sale gosse. Acte 2. On est les seuls dans le magasin. Donc ça y est, on vient de déposer les deux autres, donc la deuxième étape. Donc nous sommes seuls, mais voilà, on doit faire des courses. Encore. Alors en fait, on fait des courses par thème. Donc la dernière fois, on a acheté pas mal de viande, tout ça. Là, on doit acheter quoi? Gâteau. Et... Yaourt, non? Ouais, et je crois que c'est tout. Produits frais. Fromage. Ah, c'est même plus. Ouais. Donc sûr, déjà gâteau pour les enfants, parce qu'on n'achète pas beaucoup de gâteaux en Espagne parce qu'ils sont pas top. Et deux, trois trucs de frais parce que automatiquement on a toujours du frais à acheter. Du pain. Voilà. Vu que ma femme n'aura pas le temps de faire le pain pour ce matin. Voilà, on est tout seul dans le magasin. Cool, et après bah, on rentre et on va faire le travail. Travail. À part ma femme qui fout le bordel, en fait, il n'y a pas de bruit. Ça fait plaisir. Ah, c'est bien une maison calme, hein. Je me rappelais plus, hein, ça fait deux mois, on se rappelait plus ce que ça fait. Hein. Bon, finalement, je vous ai pas dit aussi, parce que hier, je vous ai dit que Corinne était encore en vacances jusqu'à finalement jeudi, et ben non, elle était en vacances jusqu'à hier, c'était même le dernier jour pour Corinne, puisqu'en fait, hier, elle a eu un appel pour garder le petit Raphaël aujourd'hui, donc finalement, elle rembauche aujourd'hui. T'es contente? Oui, t'es contente, c'est mieux que de s'ennuyer à la maison. On aurait pu aller à la plage, que tous les deux. Je travaille quoi, 4 heures aujourd'hui? Ça fait pas non plus. Demain, je vais travailler 2 heures. Bon, ils sont
c'est... Allez, je vais l'aider à ranger les courses. Foucu. Mon atelier. Ça fait longtemps que je suis pas rentré dans mon atelier. Parce qu'il paraît que c'est la rentrée. Donc même moi, faudrait que je m'y mette. De quoi? Et vous, la meute de chat? Allez, travaille un peu. Ouais. Je vais me lancer. Alors, je suis dégoûté. Ces trois pochoirs sont propres. Hop. Ouais. J'ai pas mal de bordel sur mon dans mon atelier. Hein. J'ai une facture, j'ai un devis. C'est quoi ce bordel? J'ai un journal art que j'ai montré il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, j'ai mes nouveautés badge qui vont aller dans mon truc nouveauté à faire. Hop. Hop. Voilà. Alors, c'est la rentrée scolaire. Mais j'ai pas de photo de rentrée scolaire. J'ai cette ATC là. Alsace. Hop, qui va dans le truc. Faut que je finisse. Faut que je branche ça pour pouvoir faire mes cases. Oh, bon. Genre le mec il est perdu dans son atelier quoi. Ouais, en plus je suis trouble. Donc, photo, faudrait que je me lance sur une page où mes ATC. Alors, j'ai réfléchi à mes ATC scolaires et je vous avoue que c'est pas si facile que ça de faire une ATC rentrée scolaire. Je réfléchissais cette nuit, je me suis réveillé en pleine nuit et j'étais en train de réfléchir à ça. Je me suis dit, mince, c'est vrai que c'est pas facile. Donc, je comprends que. Je comprendrai que vous arrivez bah que certaines peines sur le thème rentrée scolaire. Voilà. Bon allez, je me lance sur quelque chose. Est-ce que j'ai une carte là-dedans? Ouais, j'ai une carte. Miaou. 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 Viens. C'est que tu t'as squatté là pendant 2 mois d'été et maintenant tu te dis c'est qu'il y a un truc qui est dans mon atelier. C'est pas ton atelier, c'est mon atelier. Allez, je me tais et je travaille. On se retrouve, alors je viens de faire une petite page plutôt simple pour se remettre dans le bain bien sûr. Une petite série d'ATC thème scolaire, donc finalement j'ai trouvé l'inspi, donc j'en ai fait 4 sur le thème scolaire vintage. J'en ai 3 qui sont encore sur le thème on va dire normal, elle veut plus marcher. Et donc voilà, c'est bon. Voilà, et là je suis en train de fignoler le manger. Et là les enfants viennent de rentrer de l'école. Oh. Tu viens manger alors? Allez, viens manger dans mon lit. Cette première journée. La première matinée, pas journée. Ça fait du bien. La gazine n'a pas travaillé. Bah, c'est normal. Et petit Raphaël? Ça fait du bon progrès au niveau langage. Niveau langage. Et toi, Aya, alors ta première matinée de CP? Travailler? Oui. T'as fait quoi? Tiens, Raphaël. Non. Tu veux pas dire? Non, c'est très. Moi, j'ai fait de l'écriture. Toi, t'as fait de l'écriture? Non. Bon, bah, c'est cool alors. Bon, toi, après, c'est facile. Toi, t'as CE1, CE2, c'est pareil. Et toi, ta première matinée de rentrée? Bah, je viens de faire une page et 4 ATC. Et je suis en train de faire une 3e ATC. Bah, 3e ATC. Ah, ça y est, tu veux le dire? Non, j'ai pas fait de devoir.
Tout ça. Allez, pour ça. La table dehors à mettre dehors. Bon, on va manger. Moi, après, je retourne travailler. Parce que j'ai quand même pas mal de petits trucs à faire. En fait, je dois fignoler sur l'ordinateur. Parce que pareil, j'ai pas pris mon ordinateur. Si, je l'ai pris. Voilà. Enfin, bref. Il y a le bordel. Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu gueuler. Je gueule pas, j'ai pas fort. Nuance, chère Marie. Et toi, ta première rentrée? Bon, ça va, il est mignon pour l'instant. Pourvu que ça dure. Bon, allez, je vous retrouve tout à l'heure. Bon, il est temps que j'aille chercher ma fille au collège. Alors. J'étais en train de... En fait, j'ai commencé cette... la deuxième partie, en fait, de mes ATC. Hop. Et en fait, le temps que ça sèche, je suis parti sur mon site, sur ma boutique, parce qu'en fait, j'avais un problème de code promo. En fait, j'avais mis valable qu'une seule fois. En fait, ça annule quand une fois utilisé. Donc, en gros, j'étais obligé de recréer un deuxième code promo. Bah, le même, exactement le même, sauf que... voilà. Enfin, bref. Ça change rien si vous avez commandé dans l'après-midi ou dans la soirée, enfin bref, ou ce matin, ou voilà. Là, je vais aller chercher, donc, comme j'ai dit, ma fille au collège, il est 16h-10. Ouais, maintenant, il y a des horaires à respecter, donc... Et en plus, le pire, c'est que j'ai retrouvé une page... Alors, je ne sais pas si je l'ai déjà faite, si je l'ai déjà montrée sur YouTube, mais j'ai retrouvé une page. Enfin bref, allez, j'ai pas que ça à faire... d'attendre de parler. J'arrive pas à ouvrir la porte. Avec une poignée, c'est mieux. Et des clés de voiture aussi. Allez, je vous dis à plus tard. Alors, ta première journée. Tu veux pas? De quoi? Bah, ta première journée. Bah, quoi, ma première journée? Bah, c'est bien passé? Bah, oui. Alors ce CP? D'accord. Alors cette corvée de papier? C'était pas tellement bien comme ça. C'est chiant tous les ans, sachant qu'ils sont dans la même école. C'est toujours les mêmes. C'est quasiment les mêmes maîtresses. C'est les mêmes maîtresses, mais il faut les remplir à tous les ans. Mon nom de famille à moi, c'est quoi? Bah, je crois que c'est Bourdin, je suis pas sûr. Elle a dit Bourdin. Elle est mariée, elle s'appelle Bourdin. Pardon. Et Corinne. Et toi? Ça s'est bien passé? Non, faut dire Corinne. Et toi? Tu fais tout un timide? Non. Alors, t'as filmé à l'école? Oui. Fais voir. Pizza, 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 pizza. T'as filmé? Mais t'as filmé là? Ouais. Elle voit pas. Avec Emma, qui est désespérée, et Anthony. Il est hier, pas loin de sur moi, les 14h23, on devait être. Moi je crois qu'ils vont rentrer à 14h, on rentre à 14h30. Bon, elle n'est pas encore au point au niveau vlogging, on va dire. Bon, on va dire qu'il y avait pas mal de bruit autour d'elle, donc c'est dommage. Bon, après, elle parle pas et elle cadre mal. Bon, c'est d'habitude à prendre, hein. Moi aussi parfois je cadre comme ça, on me voit à moitié quand même. C'est rare, c'est rare. Enfin bref, il est 18h10. Corinne est partie dans le spa. Elle m'a demandé de la rejoindre, mais j'ai encore un petit peu de boulot à faire sur l'ordinateur. Non, elle ne m'a pas demandé. Elle m'a dit, est-ce que tu veux aller dans le spa? J'ai dit, j'ai encore un peu de boulot. Pas que je la rejoigne automatiquement, parce qu'après on va dire, ouais, Romain... Nanana. Enfin bref, franchement je suis HS de cette journée. On s'est levé, on s'est réveillé assez tôt aussi. Donc voilà. Et j'aimerais continuer mon projet de voiture que je n'ai pas continué finalement aujourd'hui, parce que vu que j'étais pas mal sur dans mon atelier qui est juste derrière là. Et entre les allers-retours à l'école aussi, voilà quoi. C'était une journée de ouf. On va l'embêter, Corinne.
On vient t'embêter. Quoi ? J'ai envie de t'embêter. Pourquoi tu veux m'embêter de quoi ? Je sais pas, j'ai envie de te faire... Allez. Ça, c'est de l'embêtement de ouf. Hein. Franchement, vous regardez, en plus, il y a la lumière. Parce qu'en fait, juste derrière ici, il y a un carreau. Il y a une vitre, en fait, juste derrière. Et donc là, il y a le reflet de... Bah, en fait, il y a le soleil qui est au-dessus, donc qui reflète. Et on dirait qu'il y a un vrai coucher de soleil. Qu'il y a un vrai soleil. Laisse-nous croire. Juste croire. Laisse-nous rêver. Ouais. Enfin bref. J'arrête. Ouais. Ouais. Je vais aller continuer mon travail. Parce que moi, je peux pas me permettre d'aller dans le spa, quoi. La blague. T'abuses pas un peu là ? T'as un patron qui va venir te frapper derrière. Il est en train de... Bah oui. Qui ? Ma femme. Oh oui. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre ? Non, vaut mieux entendre ça que d'être sourd. Petit chaton. Les pauvres chats, ils sont HS de chez HS à cause de la chaleur. Aujourd'hui, il a fait pas mal chaud. Ils annoncent pire demain ? Bah donc demain moi je vais à la plage. Toi tu vas aux courses, c'est ça ? Ouais, et toi demain matin tu vas aux courses pendant que je travaille. Et demain après-midi, pendant que tu travailles, moi je vais à la plage. Je le ferai pas. Ça fait 4 ans qu'on habite là et 4 ans qu'on l'a jamais fait ça. Partir seul à la plage. Petit chat, il est mort le petit chat. Allez, je vais arrêter là. J'espère que cette rentrée, déjà vous, que votre rentrée s'est bien passée. Pour ceux et celles qui ont des enfants qui sont rentrés à l'école, voilà. Pour les grands-mamans, bah, j'espère que vos petits-enfants, la rentrée s'est bien passée. Voilà, allez, je vais travailler, je retourne travailler et on se retrouve demain pour un nouveau vlog. Tchou !